Quelques mots à la fois les particularités de ma pratique et on verra tout à fait le lien avec François Roustan, hein, vu que c'est dans l'esprit un copier-coller, alors que je vais peut-être un peu plus loin en parlant de l'irruption de la lumière ou d'autres choses, mais on verra après. Première particularité, c'est quoi? C'est d'amener aux patients l'idée que tout ce qu'il aimait n'est pas une réalité, mais une invention, une histoire qu'il s'est construite sur un événement qui a eu lieu un jour. Chaque personne qui arrive avec un symptôme donné est persuadée qu'il y a une causalité, que c'est en rapport avec une histoire, mais avec quelque chose qui est réel. Or, absolument pas, Roustan dit la même chose, hein. C'est une histoire qu'il s'est racontée sur un événement. À quoi sert cette première idée qui est fondamentale? À amener le fait que chaque personne pourrait être guérie d'un instant à l'autre s'il sortait de son processus de pensée. C'est ce que les bouddhistes appellent une illusion, par exemple. Donc, quelle est l'idée première? C'est que chacun est dans un piège qu'il a inventé lui-même. Mais ce piège n'existe pas. Une des particularités, entre autres, hein, est surtout de ne pas s'intéresser aux symptômes, hein, quels qu'ils soient. Parce que qu'est-ce qu'un symptôme? C'est, toujours pour être dans l'idée quantique, une pensée qui s'est matérialisée, qui est devenue un grain de matière, hein, qui fait quelque chose que l'on peut toucher. Hein. Mais au début, hein, c'est une pensée qui s'est concrétisée. Donc, que fait-on? On est toujours dans la même idée, si on veut s'attaquer aux symptômes, on renforce la matière par une autre matière en cherchant. Que fait un médecin qui va donner un antidépresseur à quelqu'un qui se dit en dépression? Il réaffirme l'idée que la personne est malade. Or, la personne, toujours dans un esprit quantique, mais c'est exactement ce que dit Roustan, peut être malade et ne pas être malade, avoir des parties d'elle qui dysfonctionnent, mais dans une grande partie autre, hein, qui irait tout à fait bien. Donc, ne s'intéresser qu'à la partie dysfonctionnelle et toujours amener cette partie à se reconstituer, à devenir plus dure. Donc, c'est hyper important de ne pas attacher d'importance aux symptômes, mais à la personne dans sa globalité. Que fait Roustan, que je fais d'une autre façon, hein. C'est un exemple un peu caricatural, mais la personne est dans son fauteuil. Tout ce qu'il dit, c'est d'arriver à être dans la bonne position dans le fauteuil où il est. Quand le corps se relâche assez, on peut estimer, quand il commence à être bien, que la personne est guérie. Je le fais autrement avec des exercices de respiration, mais l'idée est exactement la même. Donc, quels sont les points clés pour commencer? On est toujours dans du Roustan complet. C'est d'amener une fonction d'arrêt, hein, que la personne s'arrête un peu, fasse un stop dans son processus de pensée, qui est toujours répétitif, qui s'auto-alimente pour construire une idée qui ne quitte jamais sa ligne. Donc, s'arrêter, je vais revenir au principe de respiration, souffler un peu et rentrer dans une pause qui va être salvatrice. Cette pause, Roustan dit la même chose, va permettre une réinitialisation, si on parle comme un ordinateur, ou une reprogrammation. On est dans l'arrêt qu'il y a entre une inspiration et l'expiration. Il y a un temps entre les deux qui s'appelle la petite pause, qui permet, hein, cette réinitialisation du corps.
Donc, un des travaux à faire avec le temps, qui est aussi sortir du temps, c'est élargir ce temps de petite pause entre l'inspiration et l'expiration, tant que c'est confortable pour le sujet. Arriver à toucher à ce rien qui est entre les deux, qui est à la fois le rien habité, le vide quantique, dans lequel il y a quelque chose, qui est complètement aussi dans un esprit taoïste. C'est en même temps retourner à la source, qui est, parce qu'on est dans une pratique holistique, l'idée que tout le contenu informationnel est à l'intérieur de chacun. Donc, dans ce moment d'arrêt, on se reconnecte à cette fameuse source qui va donner une programmation différente à partir d'un point qui avait suivi une ligne. En revenant à une origine fictive, peu importe, on va tracer une ligne différente qui va avoir des effets différents dans le corps. Que dit Roustan? Mais je dis exactement la même chose, que l'on est dans un pratique non pas intellectuel, mais on va dire ouvrier. On travaille avec les mains, avec une matière sur le corps, même si le corps n'a pas d'importance en soi. Ce n'est pas l'idée qui est première. Pour arriver au changement, c'est une manipulation sur le corps. En même temps, qui me font être rejeté par tout le monde, sur ces deux principes simplement, qu'il n'y a pas de réalité, et en allant plus loin d'une façon provocatrice, qu'il n'y a pas de traumatisme. Contre les traumatismes. Je vais juste faire une petite note sur ce côté quand même très provocateur. C'est pas qu'il n'y a pas de traumatisme, c'est qu'à chaque fois, il peut y en avoir ou ne pas en avoir. C'est ça. Ouais, on le voit dans la réalité, effectivement. Il y a des gens qui réagissent comme ci, il y a des gens qui réagissent comme ça. Mais exactement. Mais partir de l'idée qu'il y a forcément un traumatisme quand il y a quelque chose, c'est déjà s'engager sur une voie qui est une voie de fermeture. À fait. Et on voit la beauté de certains témoignages de la Shoah, par exemple, comme Charlotte Delbault, moi, qui me font respirer, hein. Avec cette joie à l'œuvre dans le pire, dans la situation, dans une situation tellement, tellement, même pas descriptive, Ouais, tellement. on est dans une idée de résilience qui appartient plus à Cyrulnik qu'à Roustan, mais peu importe. Il y a quand même ça dedans, ouais. Alors, ouais, on va revenir dans le fauteuil de Roustan plus précisément, si vous voulez bien. Donc, une des questions, c'est comment en êtes-vous venu dans ce fauteuil de François Roustan, justement? Je ne sais même pas si vous êtes allé dans le fauteuil, en vérité. Je ne vous ai pas demandé. Donc François Roustan, je l'ai croisé, mais je ne l'ai jamais parlé. Je l'ai croisé à des congrès. Je n'ai pas D'accord. osé l'aborder ni l'importuner. Donc je le connais principalement par ses livres. D'accord, et comment? Voilà. Donc on a des points communs. J'ai été aussi psychanalyste pendant 30 ans, 35 ans avant de passer à l'hypnose. J'étais aussi d'obédience, si on peut dire, j'aime pas le mot, lacanienne. Donc, on a un peu un background. Donc, je n'ai pas été jésuite comme lui, mais voilà, le fond commun est psychanalytique, lacanien, avant cette découverte de l'hypnose qui vraiment fait changer, je dis dans un livre, c'est sortir de ce que j'appelle le dépit de la psychanalyse pour la joie de l'hypnose. Quand on réalise ça, mais waouh, c'est fabuleux! Au lieu de faire des séances sur des mois, des années en psychanalyse, on s'aperçoit, ce qui est mon cas, qu'en une séance, la personne peut être complètement refondée, c'est pas très français, mais peu importe, mais réapparaître complètement d'une façon différente en l'espace d'une heure et demie ou 2 heures. C'est incroyable. Et plein de gens vont dire que c'est impossible. C'est impossible.
cette idée étant la même, c'est exactement celle qu'il faut faire lever chez le patient, qui va dire je suis malade depuis hyper longtemps, donc il va falloir très longtemps pour que je sois bien. Le travail est d'éliminer le système de croyance, c'est lui hein, qui va bloquer une irruption complète. Hein. Ouais, ça paraît tellement simple. Mais bah, ça l'est. En plus, on le réalise, moi, le nombre de fois où je vois ça dans les séances, mais celui qui est à l'extérieur ne va pas l'admettre. C'est-à-dire celui qui dit qu'on peut être soigné en une séance, il y a un charlatan. Bon, ok. Ouais. Mais, Alors, oui, je voulais vous demander une petite expérience, enfin, vous proposer une petite expérience. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on est en présence de Roustan, là, on prend un petit moment pour ça, voilà. Oui, alors Juste, c'est tout, pour changer le... Pour voir ce qui se passe ou pas. Que se passait-il si on était avec Roustan? À mon avis, pas grand-chose. D'accord. Dans ma perception de Roustan, je ne l'ai pas connu intimement, hein, mais Roustan n'était pas sympathique. Hein. Que voit-on là, dans tout ce qu'il a fait avec, comment il s'appelle, Benayem, etc. Je les ai vus souvent et ensemble. Hein. Ouais. C'est comment, pour parler un peu vulgairement, mais comment il rentrait dans le lard de Benayem sans arrêt. Donc, à chaque fois que Benayem faisait une intervention, il disait une bêtise, il n'avait pas compris, etc. Ce que je conçois fort bien. Roustan est dans une idée hyper précise. Hein. Il voit les tenants et aboutissants de chaque phrase, de chaque respiration dans son système de pensée. Et quasiment tout le monde, je l'ai vu avec bien des journalistes, hein, les gens sont à côté de ce qu'il dit. Hein. Il est confronté à des gens qui, par rapport à lui, dans une idée, sont des imbéciles. Ça n'empêche pas de les aimer aussi à un certain niveau, hein, la question. Mais les gens n'ont pas la perception qu'il peut avoir lui-même. Et la plupart des phrases, des questions qu'on lui pose, sont à côté de la plaque ou d'une nullité impressionnante. Et pourtant, cet imbécile, c'est intéressant, enfin, le côté « je deviens bête », enfin, l'état zéro, quoi, qui est quand même vraiment essentiel. C'est tout à fait ça. Celui qui est le plus bête, toujours, hein, c'est celui qui cherche à être intelligent. Voilà. C'est ça qui est intéressant, enfin, moi, qui me touche beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez me parler des fauteuils de Roustan ? On vous en a parlé, des gens qui le connaissaient, qui sont allés dans son cabinet. Physiquement, quelle tronche ils avaient, ces fauteuils-là ? Je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous répondre. Non, ça, personne ne vous a aiguillé là-dessus. Ok, mais en même temps, ça ne me paraît pas important. Hein, parce que la personne pourrait être sur une chaise, sur un tabouret. Ce qui compte, c'est l'idée. Hein. La façon dont la personne va accueillir l'instant et sortir même hein, du fauteuil, c'est-à-dire qu'il pourrait être debout sur un pied. Hein. Le tout est de trouver cette bonne position, indépendamment de toute réalité, hein, où il va lâcher quelque chose. Donc, voir quelle était la couleur du fauteuil, du canapé, etc., voilà, me paraît secondaire. Hein. Oui, tout à fait. C'est un peu un truc drôle dans le film pour les gens qui y sont allés, parce qu'en fait, les souvenirs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est extrêmement drôle. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. ce qui est frappant, j'ai rencontré quand même plusieurs personnes qui ont été en séance chez Roustan. Pour la plupart d'entre elles sont incapables de me dire ce qui s'est passé pendant la séance. Ah oui. Ouais. Parce qu'évidemment, je suis curieux, comme ton, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais quasiment tout. Mais je ne me souviens de rien. Ah ouais, c'est énorme. Moi, j'ai quand même des souvenirs. Hein. J'en ai eu que deux qui sont passés dedans pour l'instant. Mais... Ok, mais donc, c'est un peu plus constructif. Ouais, c'est un peu plus précis. Ok, et... Si j'étais à côté de Roustan, hein,
tout ce que je pourrais lui dire, c'est que j'adore sa façon de penser, hein, que je m'y reconnais pleinement. Hein, mais en même temps que tout ce qu'il dit, là, je pourrais le dire moi-même. Hein, je ne cherche aucunement à prendre sa place, hein, à être plus ou moins intelligent que lui. Hein. Sa respiration, même si elle est en écriture, m'aide à vivre, à me réaliser, à avoir une vision du monde. Donc je le remercierai là-dessus, hein, mais sans jamais chercher à débattre. Hein. Si je veux débattre sur un truc, hein, je me diminuerai, et en même temps je le diminuerai aussi. Hein. Bien sûr. Je serai dans des explications oiseuses. Donc le plus possible, hein, je m'efforcerai d'être bien avec lui sans rien faire. Hein. Là. Mais je suis sûr qu'il en serait hyper content que je ne cherche pas à faire plus que ça. Oui, tout à fait. Ça paraît tout à fait cohérent. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de vos fauteuils, comment vous fonctionnez, vous, en cabinet? Les gens sont assis sur des tabourets, allongés ou... Ils sont dans des fauteuils, hein, mais... pareil, ça n'a aucune importance. Hein. C'est mieux que ce soit un peu confortable, mais ce qu'on va s'apercevoir toujours, hein, c'est qu'avec un même fauteuil, certains vont les trouver très confortables et l'autre vont les trouver inconfortables. Ouais. Comme quoi, ce n'est pas le fauteuil qui est en cause. Hein. C'est le rapport du sujet avec l'endroit où il est. Voilà. Comme des gens vont entrer dans la pièce, vont dire ah, c'est magnifique, etc. Donc, d'autres vont dire c'est moche, c'est trop grand, c'est trop petit, etc. Ah, c'est ça. Donc il n'y a aucune approche réelle. Hein. C'est déjà une projection, hein, d'une partie de soi sur le lieu et de comment on va s'engager dedans. On se rapproche là de la notion de perceptude qu'il énonçait. Mais complètement. Hein. Là, je le relisais un peu, etc. Une notion importante qui m'avait échappé, mais qui est celle d'Erickson, qui est la mienne, qui est qu'avant qu'une séance formellement commence, tout doit être terminé. Ce qui est exactement voilà. Cette idée. Hein. C'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler le pré-talk aujourd'hui, hein, toutes les conditions sont là pour que. Voilà. Et il transforme l'idée de préalable en post-alable, ce qui est hyper joli. Hein. Post-alable, oui, préalable. Voilà. Donc le préalable, en fait, et le post-alable, c'est-à-dire que voilà, il sert à ce que tout soit déjà contenu, que ce soit terminé au moment où l'on commence. Ah, c'est ce qui est l'idée complète d'Erickson, qui n'a pas fait ce jeu de mots, hein. Mais cette idée, c'est qu'en effet, tout doit être terminé avant que ça ne commence. Est-ce que vous pourriez me parler justement, par rapport à ces perceptions, par rapport à vos patients, quelqu'un qui serait venu deux fois, au moins deux fois, puisqu'apparemment, il n'y a pas besoin forcément de plus qu'une séance avec vous, de la modification de la perception du fauteuil, de la pièce, enfin, comment est-ce que ces personnes, les patients, témoignent d'une métamorphose, de quelque chose qui a changé, en tout cas dans leur perception, de cette perceptude, quoi, aussi. Est-ce qu'ils témoignent de ça? L'idée, je vais reprendre l'idée habituelle du VACOG, quand les gens apprennent l'hypnose ericksonienne, hein, c'est que quand on revient dans le retour, hein, on retrouve les choses au même endroit, on est dans le même temps, on retrouve les fauteuils qui sont là pareil, hein. Ce que je dis toujours après un retour, qui est toujours incomplet, parce que ça ne m'intéresse pas que les gens reviennent totalement, c'est qu'à la fois, ils se retrouvent dans un lieu qui est le même et qui est totalement différent. C'est là aussi une différence fondamentale, hein, avec le fait de retrouver ses ancrages et de ne pas être perdu. Hein. Là, la réalité telle qu'elle est perçue, hein, d'une façon tout autre, même si apparemment les choses sont à la même place. Mais ça ne peut plus être les mêmes choses, hein, parce que le regard que l'on va porter dessus, sa sensibilité, tout est différent. Je reprends juste là sur cette idée de perceptude, qui est tellement importante. Hein. Ah. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas ce qui va être fait, hein,
c'est la façon, on va dire l'intention, la façon dont la personne se met dans un état dans lequel quelque chose va se passer. C'est le mot conditionnement n'est pas joli, hein, mais l'état dans lequel il va se mettre qui permet cette transformation. Ce qui est l'idée de Gilligan, Stephen Gilligan, complètement. Hein. Qu'est-ce qui est important dans une séance, hein? C'est aucunement le thérapeute, hein, aucunement le patient, c'est, on va dire, le climat, pour parler en termes français, qui se crée entre les deux. Voilà ce que Gilligan appelle le côté génératif, hein, c'est-à-dire pouvoir créer le climat qui permet la modification. Et l'idée est importante, hein, de savoir que c'est... Parce que certains vont dire en effet que c'est le thérapeute qui est important. Avec Erickson, il y a un peu cette idée que tout ce qui est important, c'est le patient, que c'est lui qui fait tout. Hein. Mais c'est une idée tout aussi fausse que la première. Hein. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. Okay. C'est le climat que le thérapeute, mais pas seulement, que les deux ont réussi à créer pour que la modification se crée à cet instant. Ouais. C'est dans la relation, quoi. Hein. Que c'est important. Parce qu'effectivement, j'ai eu des témoignages qui me disaient que c'est la posture du thérapeute qui va vraiment faire que l'autre peut être à sa place au moment zéro. Elle est essentielle. Je vais aller un peu plus loin que ce que vous disiez et presque un peu plus loin que Roustan, parce que c'est un peu la limite. Hein. Parce que Roustan est dans une perspective que j'appelle quantique taoïste, qui est un premier niveau. Mais il n'est pas dans une reliance complète à quelque chose qui serait de l'ordre de l'universel, de l'akashique. Ok, intéressant. Ouais. Donc, quand vous me dites que c'est la relation, ce n'est pas uniquement la relation. La relation amène le fait d'être dépossédé de soi et en connexion avec quelque chose d'extérieur qui va redéfinir cette programmation intérieure, là dont parle très bien Roustan. Hein. Mais c'est justement en arrivant à cette dépossession qui permet de réactualiser, d'être en lien avec quelque chose qui va permettre cette transformation, mais qui vient de l'extérieur, que moi j'appelle un peu communément la lumière, pas que moi, hein, d'autres. Hein. Mais c'est cette façon de faire revenir une lumière à l'intérieur de soi. Métaphoriquement, c'est joli, hein, parce que le patient est dans des ténèbres, hein. Ouais. Il est dans le noir. Hein. Ce que je dis, qui est exactement ce que disent les Toltecs aussi, parce que là, je viens de terminer de donner une formation sur la sagesse Toltec, donc je suis encore en plein dedans, c'est sortir de ce qu'eux appellent le rêve de l'enfer, parce qu'on est toujours dans un rêve, sortir de la peur pour arriver vers l'amour et la lumière. Sortir des ténèbres vers la lumière, de la peur vers l'amour. Je cite toujours, hein, par cette fameuse respiration, wow, qui permet à la fois de lâcher des choses, hein, et dans l'air, dans l'oxygène, il y a donc cette lumière, hein, qui va permettre à la fois de respirer et d'être éclairé, avec ce qu'on pourrait appeler une vue juste, hein, une nouvelle appréhension, une nouvelle écoute, une nouvelle bienveillance avec les autres. Qu'est-ce qui permet d'être bienveillant? C'est justement d'avoir ôté la peur en soi, hein, qui fait qu'on est agressif, défensif. Quand on arrive à cette sécurité, il n'y a plus de peur à avoir, hein, puisqu'on est d'une certaine façon inébranlable, hein, comme le Bouddha, qui est à la fois lourd et léger, avec un sourire de bienveillance sur les lèvres, hein, parce que personne ne peut le déstabiliser. On est à la fois dans la présence de Roustan, hein, mais qui est à la fois cette présence du thérapeute qui devient celle du patient. Les deux sont habités de cette nouvelle présence. Oui, ça me touche beaucoup. Ouais. Juste sur la présence, hein, qu'est-ce que la présence que définit très bien Roustan? C'est d'avoir une place que personne ne peut vous prendre, vous usurper, qui vous appartient pleinement. C'est ça. Et lui, justement, comme il vient de... Enfin, comme il était jésuite, etc., qu'il a rompu avec ça,
Il était coupé de ça, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est une question que je me pose à chaque fois que je lis, parce qu'il me manque ça, justement. Le côté spirituel? Oui, tout à fait. Mais tout à fait, il s'arrête là où il y a un pas spirituel dans le sens le plus large, hein, mais en effet, il est resté, sur, ce qui est déjà une avancée énorme, hein, etc., à un niveau taoïste, hein, sur ce vide habité, cette reprogrammation, etc. Mais il ne fait pas le lien avec quelque chose, hein, qui est de l'ordre de l'universel, hein, de cette mémoire akashique. Et vous savez s'il avait des... il croyait plus du tout en Dieu ou enfin, c'est une question un peu naïve, mais je ne sais pas du tout. Je n'ai pas posé la question à ses proches, entre guillemets. Je me demandais en fait s'il avait vraiment rompu complètement avec et l'Église, bon ça on peut le comprendre largement, mais avec, avec Dieu c'est autre chose, enfin Dieu, la lumière, peu importe quoi, Quand c'est... on est dans l'approche taoïste qui était complètement la sienne, Ouais. ça éclipse même l'idée de Dieu. Ouais. Parce qu'au début, le Tao qui est innommable, etc. C'est vraiment ce qu'on ne peut pas nommer. Hein. Donc ça a un rapport à la source. Hein. Ouais, c'est Mais ça. l'avancée utile qu'il a et que tout le monde a, c'est qu'on n'est pas lié à une causalité. Hein. Ce qu'il ramène sans arrêt, qui a un lien complexe avec lui, qu'ont aussi les Toltecs, hein, c'est cette notion de choix. Donc, il rompt, là, je le relisais encore il y a peu, entre les notions d'inconscient et de conscient. Parce que si on reste dans des choses formelles comme ça, il n'y a pas de choix possible. Hein. Donc, lui, il dit que c'est caduque, hein, et que même au niveau le plus intime, il y a cette possibilité de choix pour orienter quelque chose qui va être défini. Et donc lui ne s'intéresse pas du tout aux histoires, par exemple, de NDE, de l'idée de karma, l'idée d'avoir des auras que l'on peut toucher, comme Brennan, etc. Tout ce secteur, il est pas éludé, mais... Ouais. À la fois, il n'en a pas eu besoin dans sa construction, et je pense aussi qu'il y serait peut-être venu voilà, s'il avait eu un temps plus long, mais son avancée a été juste là. Mais voilà, peu, parce qu'il a aussi maintenant une place historique, hein, on va dire, entre la psychanalyse classique, psychanalyse. Une des thérapies plus spirituelles après, c'est il a eu une avancée, donc taoïste, etc., avec un contenu quantique évident qu'avait déjà Lacan. Hein. Maintenant, quand je relis des parties de Lacan avec mes connaissances quantiques actuelles, hein, c'est incroyable, hein, toutes les perceptions quantiques qui sont dans Lacan. Hein. Ça va pas être dit dans ces mots, mais ça. Voilà. Transpire. Dans Lacan, la répartition entre réel, imaginaire et symbolique est complètement ce qu'on pourrait dire maintenant une vision holographique. Complètement. On reprend les premiers dessins qu'avait fait Lacan sur le stade du miroir, hein, ça représente exactement des images holographiques. Intéressant. On est dans cette idée que j'ai et qu'a Roustan complètement, hein, l'idée spéculaire que c'est dans la projection, en se projetant quelque chose, qu'on réalise, hein, qu'on se forme. C'est Donc bien de préciser voilà, quelle il amène identité. les gens à être inhumains, hein, Ouais. à s'échapper de la morale, Ouais, etc., c'est ça. pour réaliser, hein, quelque chose qui serait, mais il ne le dit pas comme ça, de la perfection divine, hein, qui est évidemment hallucination, il n'y a pas de perfection divine, mais dans l'idée, c'est celle-là. Ce qu'il appelle lui, il le dit autrement, hein. Il veut qu'on retrouve l'innocence de l'enfant ou du bébé, hein, qui n'est pas pris par ça. Il le dit autrement, hein, mais en substance, il y a tout ce qui peut se développer après. Ça m'intéresse Lui, beaucoup. il parle énormément du bébé, des capacités du bébé, de tout ce qu'il engrange. Ouais.
Ouais. Et parce qu'effectivement, dans toutes mes petites recherches, je n'ai pas été très loin non plus, hein, mais en dehors de Roustan, hein, mais par rapport à la guérison, parce que lui, il parlait d'indifférence à la guérison. Enfin, je ne sais pas s'il parlait de ça, mais en tout cas, ça a amené à ça. Mais j'en parlais au début, hein, c'est important. Ouais. Moi, bon, Et je parlais par rapport aux symptômes, mais ça, l'idée, c'est ça. Ouais. Carrément, oui, c'est essentiel, c'est la base. Oui, et dans mes petites recherches, en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, les gens, ils restent accrochés à cette histoire-là dont vous parliez au début de l'entretien, à leur histoire, et du coup, c'est pour ça qu'ils restent malades. Et dès que, enfin, dès qu'il y en a un qui a une perception qui se connecte à la lumière, ça y est, c'est bon. Même dans les pires trucs. Donc, la question des miracles là-dedans. Comment débarque le miracle? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Des miracles sur... Ben, tout à fait. Ben, le miracle arrive, hein, quand, on va dire, j'aime le mot moyennement, quand on a changé de paradigme au niveau de ses pensées, hein, toujours. Hein. C'est ce que j'observe. Donc, à la fois, il y a deux façons d'y arriver. Il y a une façon lente et une façon rapide. Hein. La façon lente étant par un apprentissage, des lectures, etc., qui font qu'à un moment, ouais, il y a une forme d'insight, où ce qui était dur devient facile, etc. C'est une forme de révélation, mais à la suite, hein, d'un engagement, etc. La façon brutale, hein, est généralement celle d'un accident qui arrive, hein, dont on réchappe. Hein, bon, pareil, on est mort d'une certaine façon, on revient, mais avec une vision complètement différente, hein, parfois des connaissances différentes, etc. Mais, on n'a plus rien à voir avec la première personne. Donc c'est la façon brutale, hein, mais il y a ces deux façons d'y arriver. Voilà, c'est la question de l'incarnation quand même, parce que vous disiez le corps, c'est pas important. Quand même, on est quand même des terriens. Et le corps, enfin, le corps, mais aussi toutes les nébuleuses fatigantes du psychisme qui nous encombrent. Il y a deux façons d'appréhender le corps. Hein. Il y a à la fois ne pas lui donner d'importance, hein, etc. Moi, on va lui donner de l'importance. Je veux dire autrement, toute souffrance est une inflammation de l'ego. Ouais. On ne peut pas en être autrement. Donc, à la fois, je vais faire des détours, mais peu importe. Hein. Comment agit un médecin oriental par rapport à un médecin occidental? Il va demander à la personne comment il va à côté de sa maladie ou de son symptôme. La personne peut avoir un cancer, autre chose. À côté de ça, qui est un lieu de souffrance, comment allez-vous? On peut aller bien ou moins bien avec un cancer, autre chose. Il y a des paliers, etc. Que fait le médecin oriental, hein? Il va amener ce que je fais moi, ce que fait Roustan, etc., à ce que la personne soit le mieux possible, hein, indépendamment justement de ce qu'il a. Il laisse d'un côté ce symptôme, cette maladie, voilà, pour amener cet éveil, cette légèreté, qui va avoir deux répercussions obligatoirement. La première, dans l'idéal, hein, c'est comme il va bien, le symptôme n'aura plus besoin d'être là, il va disparaître, hein, de tout seul. L'autre chose, je parlerai encore d'autres choses après, hein, c'est que même si la personne meurt, hein, pourquoi pas, elle mourra dans une nouvelle tranquillité, dans une paix, au lieu de mourir dans des souffrances encore plus atroces. Donc, on va dire, on est dans un processus gagnant-gagnant, que la personne vive ou meure, elle sera mieux de toute façon. On ne peut pas pouvoir faire des soins, etc., si on le veut, mais ne pas donner cette importance démesurée au corps, quel qu'il soit. On est aussi dans cette idée d'acceptation. Hein. C'est s'il y a une souffrance, etc. En l'acceptant, elle sera énormément plus légère, en sachant que dans une douleur, il y a 80-90% de la douleur qui sont dans la résistance qu'on fait, hein, à cette douleur-là, que ce soit même une piqûre, etc. Plus on va résister, hein, plus on aura mal. Et là... Donc, à la fois le corps est important et il ne l'est pas. On est dans cette notion, mais tellement importante, de l'oxymore.
le taoïste est complètement oxymorien. Une chose est et n'est pas en même temps. Lié son corps difficile, plein de choses de cet ordre. Il y a trois niveaux, si on prend les niveaux du langage, hein, qui est le niveau du pléonasme. L'idée là, de deux sociologues connus un peu, Berger et Luckmann, hein, c'est d'avoir redéfini le pléonasme. On pense que c'est la répétition de quelque chose, mais pas seulement. Hein, c'est une réaffirmation de la réalité que les gens se renvoient à chaque fois. Une chose est celle-là, si l'autre ne lui répète pas, je vais faire toujours quelque chose. Quelqu'un va dire « il fait beau aujourd'hui », c'est une forme de pléonasme, parce que là, on voit qu'il fait beau quand la personne dit ça, l'autre va dire « oui, il fait beau », etc. À quoi ça sert fondamentalement? À réaffirmer que le réel existe et est le même pour les deux personnes. Ça n'a l'air de rien, cette pensée, hein. Mais c'est essentiel, hein. C'est pas seulement pour induire une relation, c'est pour être sûr que ce qui vous entoure est là. C'est le niveau du pléonasme, de se réassurer sur un réel. Pourquoi on a besoin de se réassurer? On est complètement dans Roustan toujours, hein. Justement parce que le réel n'existe pas. Il n'y a pas de réel. Ouais. Donc les gens ont besoin de se rassurer en disant il y a bien la même chose pour ne pas se perdre. Ouais. On est aux sources de la morale, etc. Donc c'est le niveau du pléonasme. Le deuxième niveau est celui de la métaphore, qui est un changement sur un même plan qu'a amené Erickson, hein, l'hypnose classique est une hypnose par métaphore, hein. On déplace quelque chose en lui disant, en lui donnant une autre forme qui sera plus légère ou salvatrice, hein. Le troisième niveau, qui est celui de Roustan, du Tao. Après, il y a un quatrième niveau, mais déjà ce troisième niveau est un niveau quantique et oxymorien. Qu'est-ce que le quantique, hein, c'est l'idée qu'une particule, hein, est à la fois légère, une onde et une matière, une onde et une particule en même temps, quand chacun est lié, c'est deux choses. Dans une oxymore, on peut être beau et laid en même temps, intelligent et idiot, etc. On est toujours dans le tao. C'est être dans ces deux choses et en ayant cette liberté de choix de pouvoir être l'un ou l'autre, ce n'est pas déterminé par forcément quelque chose d'extérieur. Donc c'est un élargissement qui permet un nouveau champ des possibles. Quelqu'un va dire qu'elle se sent mal, par exemple. Hein. C'est pas lui dire qu'elle se sent bien forcément, mais qu'elle peut être bien ou qu'elle peut être mal. La personne qui se sent mal n'a pas songé un instant qu'elle pourrait être bien. Ouais. Elle est submergée dans le truc, on dit mais pour y être bien. C'est une révélation pour la personne qui n'a pas songé un instant. De quoi se demande-t-elle, quelle est sa question en gros? C'est comment vais-je sortir du mal que j'ai? Dans la phrase même, hein, la phrase est négative, elle se dit comment sortir du mal? Elle réaffirme, hein, une matière qui est là. Plus on veut sortir de quelque chose, moins on est sorti, plus on renforce la chose. Ouais. Si on lui dit que son désir, ça serait d'être bien, qu'elle peut être bien, elle n'est pas obligée d'être bien, mais elle a le choix. En elle-même, elle est bien et elle ne l'est pas. C'est sortir d'une position en disant qu'il y a les deux possibles. Et comment va intervenir cette notion de choix? On est toujours dans Roustan, mais à un point incroyable. Pas par la pensée, hein, par justement parler du corps, par quelque chose de physique, hein, qui est de s'installer confortablement donc dans le fauteuil, ou pour moi simplement, ou à accepter de prendre la respiration, de sentir que l'oxygène va passer au travers du corps, hein, et on va dire redonner, hein, de l'oxygène, de la lumière, de l'humidité à un intérieur qui était desséché, triste. Que voit-on chez la plupart des patients quand on leur dit spontanément de respirer?
qui n'y arrive pas, que ça bloque au niveau de la gorge. Une des premières questions que je pose, c'est l'idée d'entrer dans une boîte de magicien. Et donc, je demande au patient, est-ce que vous acceptez de rentrer dans cette boîte de magicien? Vous entrez dans un état que vous m'avez défini, souvent un état de malaise. Vous allez sortir dans un bien meilleur état, en étant plus léger, plus aérien. Est-ce que cela vous convient? Je vais répéter la question plusieurs fois. Je la répète, pourquoi? Généralement, la personne dit oui, mais le premier oui, même d'autres, sont mentaux. Ils disent oui avec la tête, hein, mais ils n'engagent pas un oui qui serait plus corporel. Quand on le fait plusieurs fois, ça vient petit à petit. Après, je leur explique que si le oui était corporel, on est toujours dans Roustan, ça impliquerait que cet oxygène rentre à l'intérieur, que s'ils arrivent à dire ce oui avec cette respiration qui rentre et surtout sans rien attendre d'autre après, ils seraient complètement guéris. Ce qui arrive parfois. Vous avez des cas avec des douleurs, parce qu'il y a des gens qui souffrent tout le temps, en tout cas c'est ce qu'ils disent, beaucoup, beaucoup. Comment on fait? Enfin, je veux dire, c'est pareil, j'imagine, c'est la même process, mais est-ce que ça marche? On s'en fout. Oui, c'est ça. Oui, puis tant que la personne voudra sortir de son état, elle le réaffirme en permanence. C'est ce que dit Nisargadatta Maharaj, hein, qu'il faut être dans la cessation même. Donc, l'étape juste après cette boîte de magicien, je dis à la personne, vous pensez que la séance est terminée, hein, vous êtes guéri de ce qu'il y avait à guérir, plongez-vous dans le corps guéri et vous me direz ce que vous ressentez. Beaucoup de gens disent des choses, mais font un effort pour se sentir bien à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'être dans la cessation même de Nisargadatta? C'est comprendre que quand on est bien, on ne cherche pas à aller bien. Il n'y a pas d'effort. Ben non, on est dedans, il n'y a plus rien à faire. On peut être bien, même s'il y avait des souffrances physiques à côté. C'est deux niveaux différents. Tant qu'on pense qu'on n'est pas bien à cause de la souffrance physique, hein, okay. On ne peut pas s'en sortir ou ça va mettre un temps infini. Hein. Ouais. Carrément. Après, ce qui était souffrance physique, pour beaucoup, ça va s'alléger, pour d'autres, ça va disparaître complètement. Hein. Mais le regard sur la situation, sur leurs proches, là où ils étaient dans une situation de victime, de plainte, à bouffer l'oxygène et la lumière des autres, comme ils seront dans un autre regard, dans une autre bienveillance, c'est eux qui seront comme des phares lumineux qui vont attirer les autres au lieu d'être en train de capter ce qu'il y avait dans l'énergie. Voilà. Ah oui, c'est ça. On rentre dans un autre monde et ça implique de faire fi, de sortir de toute idée de maladie ou de symptômes. Alors, il y a un mode intermédiaire de temps en temps qui est ce qu'on appelle la visualisation, etc. C'est-à-dire utiliser, parce que qu'est-ce qui est le pire, hein, c'est d'être dans une position de conflit entre la médecine traditionnelle qui veut vous donner en effet rayon, etc., et une approche spirituelle qui serait de je vais respirer, ne rien faire et j'irai bien. Ce qui arrive parfois, mais statistiquement, c'est moyen quand même, etc. Mais le pire des deux étant le fait, ce qui arrive très souvent, de faire quand même des choses à contre-cœur. On ne veut pas le faire, mais on s'y résout. Donc, qu'est-ce que ces processus de visualisation dont a parlé Simonson et d'autres, c'est d'utiliser ce qu'il va y avoir d'une façon positive. On va avoir une certaine charge de rayon. Toujours, mais la respiration est essentielle. On va penser, par exemple, si quelqu'un est croyant, que ce sont des rayons divins, que c'est de la lumière, que ce qui est injecté
va avoir des répercussions plus intimes de soi-même, mais autant spirituelles, etc. Dans cette acceptation de ce qui est donné, qu'est-ce que ça va amener des résultats hyper plus grands, diminuer les doses parce que le corps va être moins résistant, parce qu'il se fermait en même temps, etc. Il y a plein d'études qui ont été faites, les résultats vont être 10 fois, 20 fois plus positifs dans cette acceptation, en mettant des images positives de la personne. Donc c'est ce mode intermédiaire qu'il faut aussi appeler à l'hypnose, à une reprogrammation, on va dire, personnelle, en même temps que ce qui est appelé de l'extérieur. C'est une voie, dans certains cas, hyper intéressante, qui résout cette position conflictuelle. On ne peut pas vivre sans amour. Bah oui. C'est impossible. Pour un humain, c'est un de nos principaux défauts, même sans doute par rapport à d'autres animaux, etc. C'est que nous, on ne peut pas vivre sans amour. Dès le départ, on est dans une dépendance à un autre, rien que pour sa survie. Ouais. C'est pas le cas. Et donc, on ne peut pas vivre sans amour. Les gens qui ne croient pas à l'amour, ils se ferment, etc. Ils ont eu, peu importe, des souffrances qui les amènent dans cet état. Mais il y a une part d'eux qui fait qu'ils s'aiment eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne le reconnaissent pas, là, je me déteste, etc. Mais il y a une part d'eux qui fait que rien que quand ils disent ça, ils sont en osmose avec leur plainte qui les nourrit, qui fait qu'ils s'aiment bien en se plaignant, etc. Ouais. Il faut que quelqu'un les aime, que ce soit quelqu'un d'extérieur ou eux-mêmes, mais sans amour complet, c'est impossible de dire qu'on ne croit pas à l'amour. C'est une façon de se défendre, mais on a besoin d'amour autant que d'oxygène. Ouais. Le parallèle étant juste, c'est-à-dire que les gens qui se sentent mal sont des gens qui ne respirent pas, qui ne laissent plus cet oxygène et cette lumière rentrer à l'intérieur d'eux. Le parallèle est évident. Est-ce que du coup les gens qui vont aller faire des rayons et activer une lumière plus puissante, même s'ils ne croient pas en quelque chose de divin ou d'universel, en l'invisible en tout cas, ou la vie après la mort, etc., ça peut marcher quand même? Espoir ou pas? Parce que une des choses qui bloque est cette idée de Dieu. Il ne s'agit pas d'être croyant, etc. Il s'agit d'être ouvert à quelque chose qui vous nourrit et qui dépasse la personne elle-même. L'ouverture suffit, oui. Tant que la personne se donne de l'importance, j'arrête pas de le dire, elle va être figée dans ce qu'on appelle un blocage neuromusculaire. C'est s'ouvrir à une lumière qui vient de l'extérieur et qui va redéfinir son corps. Il ne s'agit pas de Dieu, on s'en fout complètement. C'est une énergie limitative, Dieu. Ouais, bien sûr. Il s'agit d'une substance de vie, de lumière à l'intérieur de soi, qui va faire que l'on s'ouvre au lieu de se fermer. Comme une fleur a besoin d'humidité, de soleil. Non, à l'eau d'être pas plus qu'une fleur. Ouais, c'est ça, ouais, très bien. Au lieu de vouloir être un humain. Toutes ces complexités. Ne soyez qu'une fleur. Ah bah oui. L'humidité de la rosée, le soleil qui vous chauffe par moments. Sans doute que tout n'est pas rose, voilà, il y a des insectes qui vont les grignoter, etc. Mais ne rentrons pas dans ces détails. Oui, on ne va pas aller dans les détails croustillants. Voilà. Vous faisiez une œuvre, vous, un dessin, un poème, n'importe quoi, un film. Tiens, quel trait cet origou déposé par fidélité à son égard, en tout cas, qui pourrait le représenter d'une manière le plus simple, le plus évident. Tiens, c'est rose. Le plus joli, c'est toujours un vase qui pourrait ne jamais être rempli. Un vase taoïste qui jamais ne peut être plein. Ça existe dans la réalité, les vases taoïstes? Ça se filme ou pas?
Dans le Tao, c'est un vase qui à la fois contient et ne se remplit jamais, dans la définition. Ok, génial. C'est le premier qui a amené l'idée du rien comme élément salvateur de la thérapie. Super. Je suis enchaîné Gaston Brosseau, hein, qui est très proche de lui, ouais, avec ce ne rien faire, etc. Mais. Ouais, chouette, Brosseau aussi. C'est vraiment la notion de ne rien faire ou de vide habité. De commencer à laisser tomber quelque chose, ce qui est l'envers de la psychanalyse, où il fallait remplir de mots, etc., trouver une cause. Et là, c'est à la fois de vider et de reconnaître qu'il n'y a pas de cause. En même temps, rien ne saurait être sans cause, mais rien n'a une cause unique. On est dans la coproduction conditionnée des bouddhistes. D'un point de vue cinématographique, est-ce que vous avez une image qui vous viendrait que je pourrais filmer, enfin image et son bien sûr, un couplage audiovisuel quoi, même s'il est très limité, pour manifester ça. Par exemple une rivière qui coule. Hein. Ouais, très bien. Être en contemplation, regarder une rivière qui coule, rentrer dans la rivière. Hein. Entendre les éléments, le côté cristallin. Toujours, quelle est l'idée? Quand on rentre simplement à contempler cette rivière qui coule avec les sons, c'est de se déposséder de soi-même. Toujours la même idée. Hein. La contrainte, ce qui fait la souffrance, c'est le soi. Oui, d'ailleurs, il y avait cette histoire de caillou, là. Il imaginait qu'il devenait un caillou... roulé par les vagues, alors, je ne sais pas si c'était les vagues de la rivière, enfin, le flux de la rivière ou si c'était le flux. Oui, c'est un peu dans la même idée. Ouais. Oui, je pensais, j'avais écrit ça à un moment donné dans mes petites notes. Il dit la première idée, mais qui est tellement forte, c'est qu'il n'y a rien à faire. Mais oui. Dans ce rien à faire, c'est un peu plus complexe que ça. Hein. Ça implique tout le champ de savoir. Hein. Et quand même chez le thérapeute. Hein. Ouais. Je prends toujours l'exemple de Rossi, hein, qui était quantique avant la lettre. Hein. Que fait-il? J'ai vu des vidéos de Rossi. Hein. Il y a des étudiants à côté, il y a le patient qui est là. Il va passer dans différents stades qui sont déjà écrits sur un tableau. Hein. Rossi ne fait strictement rien. On voit la physionomie du patient qui est là. Il va dire 1, 2, il montre à ses étudiants, 3, 4. Le patient passe tous les stades qui sont là. Quand la séance se termine, personne dit qu'elle n'a plus de symptômes, elle se sent super bien. Qu'est-ce que ça implique? Exactement ce qu'il y a pour Roustan ou pour moi ou d'autres. Hein. C'est que le patient a suivi un canevas, etc., qui l'amène à la guérison, mais qui est à l'intérieur du thérapeute qui est là. Quand la présence est telle, il n'y a rien à faire, rien à dire. Hein. Tout se fait hein, par cette présence et que la personne puisse hein, rentrer dans ce champ du thérapeute qui va la métamorphoser. Hein. À la fois, il n'y a rien à faire, mais c'est comme le vide habité quantique. Hein. Dans ce rien, il y a quand même des connaissances, des trucs. Sacré bonhomme, ouais. Prodigieuse, hein. Mais donc arriver à cet état où on peut soigner en ne rien faisant implique hein, quand même d'avoir une construction assez forte. La danse est une façon de sortir de son corps ou de la pensée de son corps. Enfin, quand elle est libre, hein, quand c'est pas de la danse hyper classique, etc. Donc voilà. Il en parle un peu, hein. Il a fait une interview sur la danse, hein, Roustan, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tout ce qui est sortir de son corps, il ne peut qu'y être favorable. Hein. Donc la danse est un mouvement, une vibration, en même temps, recherche de séduction, etc., de liberté. Pour moi, le plus proche de Roustan, c'est un être que j'adore, qui est Arvo Pärt. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà.
on peut pas faire plus taoïste, méditatif. Si, dans les vidéos que j'ai fait sur Roustan, il doit y avoir Arvoparte derrière, pas pour toutes nos raisons. Donc, celui qui s'associe le plus pour moi à Roustan serait Arvoparte. Une des choses quand même que j'arrive pas à comprendre, qui m'estomac, hein, ouais, c'est combien de personnes, j'en connais, hein, qui se revendiquent de Roustan, qui l'adorent, etc., sont fermés en même temps à toute pensée quantique, etc. Et, bah, moi, c'est, comme j'adore Roustan, je trouve que c'est une excellente idée. Hein. Plus on en parle, mieux le monde se portera a priori. Hein. Ouais, je pense ça. Il n'est pas encore assez connu du grand public, même si. Donc, et le grand avantage de Roustan, c'est que c'est vraiment une évolution, ça a fait sortir du champ de l'hypnose érectionnelle un peu banale, hein, qui est devenue une forme de sophrologie. Donc, c'est un niveau bien supérieur. Hein. Donc, c'est une très bonne idée de faire un film sur Roustan, hein, évidemment. Merci. J'ai besoin d'encouragement. Qu'est-ce qui se passe pour vous au moment où un patient entre dans votre cabinet? Je l'aime directement et il me paraît beau. Chouette. C'est fondamental, c'est rarissime que ce soit pas arrivé. Hein. Je ne le fais pas exprès. Hein. Il arrive, il me paraît beau. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il le vit, il le réalise, même si ce n'est pas dit. Obligatoirement, il renoue, c'est toujours pareil, avec cette part de lui qui est belle. Il a passé du temps à ne pas s'aimer. Il y a ses proches qui le trouvent infect, il sent des pieds, je dis n'importe quoi, etc. Et il le voit dans la partie la plus limitative. Hein. Quand la personne arrive, je vois qu'elle est belle. Hein. Quand elle le ressent, elle se ressource, hein, justement déjà à cette part de beauté qui est en elle, qui va lui permettre de lâcher le premier masque, d'être différente, d'être enfin la personne rêvée, hein, qu'elle n'a jamais réussi à exaucer, parce qu'il y a eu plein de barrages qui se sont mis. Mais il faut comprendre que les barrages qui sont arrivés, sont des constructions qu'elle a mis elle-même, qui ont empêché cette fameuse réalisation. Mmh. Donc, rien que dans la réception de la personne, en la trouvant belle, hein, sans rien faire d'autre, mais il y a déjà une construction immense qui s'est faite, qui va jouer dans le processus après. Ouais, c'est beau, mais carrément. Comment trouver la personne belle? C'est ce que j'essaye de dire sans arrêt dans les formations que je donne. Ça implique d'être dans l'état de paix, de réceptivité, de confiance, de présence à l'intérieur de soi. Mmh. Si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, si on a peur du patient, wow, on ne peut pas le trouver beau. On est renfermé sur soi, absolument pas ouvert sur l'autre. Hein. Donc, cette condition d'avoir cette présence, cette ouverture, hein, pour accueillir l'autre dans la beauté qui est la sienne, pareil, ça fait un peu spirituel, etc. Mais pourtant, hein, c'est une nécessité. Hein. On voit ce qu'il y a de lumineux en lui, alors que ça lui échappait complètement. On est déjà, la beauté et la lumière sont ensemble, ne font qu'un, avec ce passage, ce véhicule, hein, qui sera l'oxygène au travers du corps, ou pour Roustan, le relâchement. Je ne parlais pas plus que ça de respiration. Mais... Oui, mais c'est ça qui se passe. Hein. J'avais pas. C'est super, je suis contente. Un truc juste intéressant, j'ai énormément de thérapeutes qui font des séances avec moi parce qu'ils se sentent mal. Je leur dis, mais ils le réalisent. La plupart du temps, hein, quand ils font une séance, qu'ils sont en position de thérapeute, ils sont exactement comme je décris. Ouais, ils sont réceptifs, souvent c'est très, très bons thérapeutes. Hein. Ils sont ouverts, ce sont des moments où ils se sont oubliés. Ouais, mais carrément. Quand ils commencent la séance, pareil, ils se sentent bien. Mais quand ils sortent de cette séance, ils retrouvent plein. Mais donc le jeu, si on peut dire,
c'est de retrouver l'état où ils sont bien, dans cet état de réceptivité, d'amour, etc., de science, le retrouver dans le quotidien en redisposant leur regard et sur eux-mêmes et sur les autres. Ouais. Mais donc ils ont cette double capacité de pouvoir être bien et de pouvoir ne pas l'être. Non, j'avais imaginé, j'ai envie que ce film soit drôle. Et ça va pas être simple, hein. Ne rien faire, disparaître, ah ouais, attends, c'est pas très drôle. Mais si, on va y arriver. Alors du coup, je sais pas, une des pistes, c'est de mettre en présence dans le film les espèces de parts de Roustan, quoi. Des personnages, mais vraiment, on y va à l'inverse, quoi. Donc, on met de l'ego, enfin, en tout cas, on met du costume, quoi. Donc, mettre des costumes, voilà. Donc, j'ai imaginé l'archer, évidemment, l'archer japonais. La bonne idée, là, qui me vient aux écoutants, ça ouais. serait de commencer par un rire. Mais ouais. Et rire, pareil. Hein. Quand on arrive à rire, c'est le moment où on arrive à se détacher de l'importance qu'on a de soi. Hein. C'est dur et enchaîné hein, sur cette carrière qui coule, hein, cette eau qui coule, hein, pour passer de quelque chose à la fois d'extraverti, où on sort par le rire, on n'est plus dans son corps, et voilà. Retrouver l'intériorité où son corps n'existe plus, mais d'une façon complètement inverse, hein, en se fondant à cet élément naturel. Hein. En effet, hein, les deux éléments, hein, soit commencer par un rire en se moquant des choses et à la fois en rentrant à l'intérieur de chaque chose, c'est vraiment deux éléments essentiels qui pourraient ouais. hyper bien faire. Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, merci pour ces images. Oh, ouais, c'est super. Le rire, il était aussi parmi mes personnages principaux. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas trop comment l'amener, mais c'est bien si c'est le début. Après, que le film soit drôle de bout en bout. Et vous, seriez-vous prêt, du coup, à incarner une de ces parts, Saint-François d'Assise ou, Je ne suis pas sûr d'être un acteur idéal. On doit pouvoir trouver le mieux. Moi, je ne veux pas des acteurs, je veux des personnes qui sont là et puis oh, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils n'ont rien à faire, juste à mettre. On va même filmer la mise du costume. Enfin, il y a tout un truc avec le processus, quoi. Pourquoi pas, si ça vous amuse, je peux m'amuser avec vous. Ok. J'avais peut-être une dernière question par rapport à la responsabilité. On est à la fois responsable et irresponsable. Ouais. Ah oui, très bien. Mais à chaque fois, quand on prend une référence oxymorienne comme ça, on est sur. En plus, c'est exactement ça. Ouais. On est responsable et irresponsable parce que ce qui se passe vient de l'extérieur. Et il ne faut pas être figé dans l'idée de responsabilité. Ceux qui veulent être responsables ne font plus rien parce qu'ils ont peur. Voilà. En tout cas, avant tout, ne pas nuire. Quand on est dans ce qu'on appelle la vue juste, parce que mais ça apparaît quand on sait que c'est exactement la parole est juste, la vision que l'on a est juste, il n'y a pas à se tromper. On est dedans. Ouais. Donc, ceux qui veulent à tout prix être responsables, pas faire de vagues, etc., waouh! Ils peuvent ne rien faire. Hein. Ils ne sont pas pareil, dans la lumière. Hein. Ils sont dans la peur et dans la contrainte. C'est exactement l'inverse. Donc, responsable, oui, puisque sans nous, on ne serait pas là. Il faut être à la fois responsable et irresponsable. Mais il a raison. Hein. Ouais. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la fois, les gens sont responsables et irresponsables. Hein. Ouais, les deux. En effet. Ce qu'ils sont arrivés, c'est ce que les Toltecs appellent par un accord qu'ils ont fait avec la réalité. Ils ont signé un contrat pour être mal, hein, en fonction. Donc, c'est ce qu'on appelle un accord Toltec. Okay. Et donc, il a raison. Hein. Mais en même temps, les gens ont l'impression de ne pas l'avoir fait exprès. Ils ont fait ce qu'il y avait de moins pire pour eux pour s'en sortir à un moment donné. Toujours la maladie, c'est ça, la souffrance qu'on a. C'est toujours un contrat, c'est ce qu'on a, ça protège de quelque chose qui serait pire si on ne l'avait pas. Donc en effet, ils sont responsables à 100%, c'est vrai, mais ne dire que ça, c'est un peu limitatif et violent et ça ne va pas être entendu. Hein. Exactement, alors, ça ne peut pas être entendu. Si on leur dit déjà qu'ils sont responsables et irresponsables, ils vont très bien comprendre. Ça vous appartient maintenant. Ça marche. Merci beaucoup. Cette ouverture. C'est cohérent avec le propos. Ok. Bah, super. Ravie de vous avoir rencontré. Bien. Si vous avez besoin de ça, je vous en prie.